Hey, salut, salut! Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma lecture en cours. Mais j'en suis à plus de la moitié, mais il fallait trop que je vous en parle parce que c'est trop dans le thème. Donc, il s'agit d'un livre sur Noël, mais Noël en Alsace, avec tous les rites, les coutumes, les croyances et surtout le berceau de Noël, c'est l'Alsace et Fribourg, on ne sait pas trop. Parce qu'en fait, ils disent qu'il y a des registres où on parle de fêtes de Noël, de sapin de Noël, tout ça, dans les années 1500. Mais en même temps, ils en parlent en Alsace et à Fribourg, et ils savent pas de qui vient quoi en fait. Mais ce livre, si vous aimez Noël, ou si vous connaissez quelqu'un qui aime Noël, il faut absolument qu'il le lise parce que ça va tout remettre en place. Parce qu'il y a des trucs que bah, on ne sait pas en fait. Attendez, je pose mon café. Donc en gros, j'ai pris des notes déjà, alors que je ne l'ai pas fini. Bon, ça, ça. Donc en gros, par exemple, le calendrier de l'Avent, enfin l'Avent en fait, eh ben normalement l'Avent il est censé jeûner jusqu'à Noël et faire des bonnes actions. Personne ne le fait. Le sapin de Noël, on devrait le mettre à partir du 25 jusqu'au 6 janvier, qui correspond à la fin du calendrier de l'Avent en fait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'à la base, le 24 décembre, en fait, ils mettaient un sapin, c'est une fête un peu, je sais pas, païenne ou du Moyen-Âge, mais en fait, devant toutes les églises, ils mettaient un sapin avec des boules rouges qui correspondaient à l'arbre de la connaissance, hein, le pommier, quoi. Et en fait, ils rejouaient la scène de Adam et Ève qui croquent la pomme et puis, boum, qui arrivent ici sur Terre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y avait un sapin. C'était l'arbre de la vie, quoi. L'arbre de la connaissance. Et les boules rouges correspondaient aux pommes, en fait. Voilà. Ils disent aussi que les enfants qui sont nés pendant la période de l'Avent ont des prédispositions aux dons de voyance. Ils disent aussi que, genre, pendant l'Avent, donc là on est en plein dedans, ça a commencé en fait, ça commence le premier dimanche après le 26 novembre. Donc on y est. Et ben pendant l'Avent, il se passe des trucs magiques, positifs comme négatifs. Il y a beaucoup de revenants, apparemment, selon les croyances de l'Alsace, hein, bien sûr. Libre à vous d'y croire ou non. Ils disent aussi que les sorcières et les mauvais esprits ne peuvent pas agir la nuit de Noël. Ils sont là, ils peuvent faire du mal, mais même s'ils veulent, ils ne... en fait, ils peuvent pas. C'est... voilà. Enfin bref, il n'y a que des trucs comme ça. Ah oui, aussi, la nuit de Noël, à minuit, les animaux de la ferme peuvent parler. Oh, mais c'est trop bien. Oh, je vous jure, moi qui adore les légendes, les croyances, et en plus... alors, moi, à la base, je déteste Noël. Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire que je déteste, mais je suis vraiment pas fan, voilà. Mais cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai un intérêt pour Noël. Je sens que cette année, c'est important. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je le sens. Du coup, quand j'ai trouvé ce livre, ben, en plus en Alsace, dans une bouquinerie d'occasion, il n'était pas donné, mais j'ai senti le truc, quoi. Et en plus, dans la préface, l'auteur, il dit, j'ai été hanté par cette idée de livre, en fait. Donc, honnêtement, je vous le remontre. Il est génial. Et je ne l'ai pas fini. Hein, donc imaginez à la fin tout ce que je saurai sur Noël, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous a donné envie de le lire. Mais c'est une pépite ce livre. Voilà. Trouvable sur eBay partout. Allez, tchuss.